entendu parler du rugby en Dieu ou pas? Non. Non? Non. Bah alors, viens, c'est le 1er juin. Viens, viens. Viens. T'es à la recherche de partage, de convivialité et d'échanges entre les différentes structures spécialisées? C'est simple. Rejoins le stade des Chanternes pour la pratique du rugby. Le matin, plusieurs ateliers vont vous être proposés pour apprendre à maîtriser la balle et assimiler les règles de ce jeu. Pour clôturer cette belle journée ensoleillée, de nombreux matchs amicaux vous seront proposés. On compte sur vous le 1er juin. Venez nombreux. Sujet suivant concernant l'actualité sportive. Le jeudi 1er juin, à Pouglézo, au stade des Chantaines, aura lieu une journée d'initiation rugby. Alors, effectivement, oui, nous avons notre correspondant sportif, Anthony, déjà bien occupé, sera notre relayeur d'informations sur cette manifestation sportive. Effectivement, mon cher Anaël, le 1er juin 2017 à Pouglézo, au stade des Chanternes, aura lieu, comme vous l'avez annoncé, le rugby à 5 avec des personnes en situation de handicap. En effet, différentes structures de l'ANIER, mais aussi du département limitrophe qui sont dites médico-sociales, participeront à cette journée de rugby à 5. 21 structures ont été conviées en espérant d'avoir le maximum de personnes possibles. Un moment d'échange, de convivialité et de partage qui sera organisé par les BPJEPS première année de Format Sport Plus 58. Chapeauté un petit peu par Mathieu Moreux, responsable de la structure, et puis bien aidé par le référent du rugby, Benjamin Moreux. Partenaires privés, partenaires publics, partenaires particuliers seront nombreux à participer à la journée. En ce qui concerne le déroulement de la journée, début à 9h, atelier technique et pédagogique le matin, repas le midi et puis le fameux match tant attendu par tout le monde qui aura lieu l'après-midi, fin de journée prévue vers 17h. Vous l'avez compris, une manifestation qui va regrouper un grand nombre de personnes, environ 150 personnes attendues. On vous attend nombreux sur le site de Pouglézo le 1er juin. Ça va être la folie, ça va être génial. Venez nous.